c'est Rovrain Minecraft. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de type les choses que vous ne savez pas sur Minecraft. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais répondre à ces mythes que beaucoup de gens croient vrais, mais des fois c'est faux. Voilà. Donc on commence sans plus attendre avec le premier truc. Donc du coup, le premier truc, c'est Johnny. Si vous renommez un villageois Johnny, enfin un vindicateur plutôt Johnny, il dégommera tout le monde, que ce soit un zombie, que ce soit un ancien gardien ou que ce soit même un cheval zombie, il va dégommer tout le monde. Là par exemple, regardez, je fais spawner des anciens gardiens, Johnny s'en charge, il s'en fout Johnny, Johnny c'est un ouf. En même temps, on comprend bien des fois pourquoi. Enfin, là, comme vous voyez, Johnny il est en train de défoncer les anciens gardiens comme il va pouvoir déglinguer ceux-là, quoi. Bref, tout ça pour vous dire que Johnny, c'est un malade dans sa tête. Hein. C'est vraiment un malade dans sa tête, Johnny. Alors, vous allez vous dire, on comprend rien à ce que tu dis, Sylvain. On comprend rien à ce que tu dis. Mais Johnny, c'est vraiment un vindicateur fort et dur. Hein. Regardez, hop, il s'en fout, lui, il agresse tout le monde. Johnny, ça lui pose pas de problème. Méchant ou pas méchant, tout le monde. Voilà, regardez, il a même propulsé l'ancien gardien en dehors de sa barrière. Ah, là, là. Johnny... Voilà, regardez, hein, bébé zombie ou pas bébé zombie, il s'en fout aussi. Hein, bref, tout ça pour dire que Johnny, c'est vraiment un villageois ouf. Passons au deuxième secret, ne vous en faites pas, il y a encore plein d'autres secrets avec les name tags. Passons au mouton avec un évocateur. Pas besoin de lui donner de nom, mais qu'est-ce qui se passe? Là, j'ai un mouton rouge. Quoi qu'il se passe, le mouton deviendra bleu. Il est bleu, il devient rouge. Quoi que vous fassiez, si vous mettez plein de moutons bleus colorés avec du lapis-lazuli, il deviendra rouge. Alors, en même temps, c'est normal, hein, vu que eux, ces petits personnages-là, ils aiment bien faire du mal aux gens, donc du coup, je pense que le rouge, c'est compréhensible. Bref, passons au troisième secret. Si vous renommez un mouton Jeb, ça deviendra un mouton qui twerk, très clairement. Si vous avez une sorcière et que vous avez des oslos, si vous en faites spawner assez, voilà, et que après on les apprivoise, il y aura beaucoup de chances pour que, au lieu d'être normal, ils seront noirs. Voilà, bon là j'ai pas eu de chance, un siamois, là c'est encore un siamois, là c'est un tigré. Mais normalement, ça se produit plus dans les cabanes en bois. Mais tout ça pour dire que normalement, quand il y a un chien comme ça, enfin, après si vous voulez faire des bébés, genre si vous voulez que des bébés noirs, pas de problème, vous visez vous visez en dessous de la maman, vous faites spawner plein de bébés, hop, et hop, et là vous avez une invasion de chats noirs, du coup, bref, bon ça c'est un peu bonus. Oh là 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 là, ça, les quadruples beacon. J'ai quand même allumé la lumière car c'est beaucoup trop lumiéré, si je peux dire ça. Je vais essayer de mettre un peu de lumière sur l'objectif pour que ça passe mieux. Donc normalement, ouais non, on voit toujours pas. Alors on va faire ceci comme ça. Ouais, on voit beaucoup mieux comme ça. Oh oui qu'on voit beaucoup mieux. On voit beaucoup mieux. Ah bah oui, du coup ça va beaucoup mieux, on peut voir ce que fait le mouton, ouais. Voilà, regardez-moi ce Johnny là, tout le temps. Faites des arrêts sur image hein, pour les dons, hein. Mais c'est pas fini. Hein. Le quadruple beacon. Avant, on disait qu'il y avait une légende qui disait que les beacons servaient à invoquer Herobrine. Ensuite, ils ont caché un petit easter egg avec les quadruples beacons. C'était pas pour Herobrine, mais en gros, il y avait un easter egg quand tu faisais un quadruple beacon.
Sauf qu'ils l'ont retiré parce qu'il y a un youtubeur qui s'est dit « Tiens, on va diffuser la news à tout le monde. » Et il me semble que maintenant, bah, la news, elle a disparu. Tout le monde a voulu tester, mais ils avaient déjà patch. En même temps, c'était un secret. Il me semble qu'il te faisait gagner un PC Minecraft, donc forcément un PC Minecraft à tout le monde ça te coûte un peu cher. Donc du coup ils se sont dit allez hop on l'enlève au plus vite possible avant que tout le monde se dise c'est trop cool et puis qu'on essaye quoi. Enfin bref, du coup ça a été supprimé. Et du coup regardez hein, ça marche. Normalement je vais devoir avoir l'effet dans quelques secondes. Je n'ai même pas eu, super. Par exemple si je veux saut amélioré, je prends saut amélioré. Si je veux sur ce beacon, vitesse. Et j'ai... Si je veux haste, si je clique sur haste, j'ai haste 2. Donc voilà, en fait, c'est plein d'effets assez sympas. Mais après... à valider hein. Soit ta régénération comme pouvoir secondaire, soit ta hast. Ça marche aussi avec vitesse hein. Tu peux avoir vitesse 2, ça peut être avec résistance aussi, résistance 2, hop, du moment que tu cliques sur valider, t'as l'effet en mode 2. Par exemple là j'avais vitesse 2, regardez, ça marche hein. Hop, donc là j'ai mis la vitesse 2, là j'avais quoi comme j'avais saut amélioré, bon, on va prendre saut amélioré 2. Voilà, donc je saute deux fois plus haut. Donc là, il me semble que je saute de deux blocs. Ouais, voilà, regardez, ça se met à deux. Donc là, par exemple, je peux prendre force, par exemple. Mais si je prends régénération, genre si je prends force et que je prends en régénération, regardez-moi ça, il va y en avoir deux qui vont spawner d'un côté. Voilà. Donc du coup, j'ai régénération et résistance. Donc du coup, prenez que sur un seul beacon régénération. Car j'ai déjà des potes qui ont testé mettre deux régénérations d'un coup et non, non, ça fait toujours régénération 1. Merci bien. En aucun cas, ça fera régénération 0. Enfin bref, vous m'avez compris, j'ai des conneries, mais voilà, vous m'avez compris. Ça fera pas une régénération 2. Par contre, là où ça peut être intéressant, regardez, avec saut amélioré 2, on peut sauter de 2. Voilà, donc on va aller dans l'enclos de Jeb. Bonjour Jeb, car j'ai encore d'autres secrets à vous donner, alors c'est dans notre coffre. Hop, je vais prendre Grum et je vais prendre Toast, voilà. Voilà, donc du coup là je suis dans l'enclos de Jeb, salut Jeb. On va prendre pour ça un mob, soit hostile, soit pas hostile, ça marche aussi avec le Wither. Pour l'Ender Dragon, il me semble que ça marche pas. Ah oui, c'est vrai, il y a aussi le truc avec l'araignée. Je vais aussi prendre une potion d'invisibilité. Attendez, hein. Je cherche la potion d'invisibilité car je me rappelle qu'il y a aussi un truc à faire avec l'araignée. Et l'Underman, ça marche aussi avec l'Underman. Voilà. Donc du coup, guys, Jeb, il est là. Bon, Jeb, t'es marrant, mais on va te renommer en Dinnerbone. Et du coup, il se met à l'envers. Ça marche. Regardez, si on le remet en Toast par exemple, bah il va rien faire. Si on met en Jeb, il va refaire la Samba. Mais par contre, Grum, ça marche aussi. Donc Dinnerbone et Grum, eh ben c'est exactement le même code. C'est juste qu'ils ont remplacé Grum par Dinnerbone. Donc du coup ça marche pour les deux, ça marche aussi pour les chats, voilà, ça marche il me semble pour, pour lui. Et du coup bah forcément si on remet, regardez, c'est assez marrant, parce que là du coup si on met un truc en bleu, il fait l'équilibriste, voilà, il fait l'équilibriste. Et il me semble que ça marche aussi avec un Dinnerbone, voilà, regardez, là il veut le rendre rouge, voilà. Bref, ça c'est marrant. Mais on n'a pas fini, bien sûr. Maintenant, on va passer aux lapins. Les lapins, dans ma version, il n'y a qu'une sorte de lapin. Quoi que vous faisiez, les lapins seront toujours de cette couleur-là. Donc, il y a un mec qui s'est dit, tiens, ce serait cool d'avoir un autre type de lapin. Donc, du coup, quand on nomme un lapin Toast, eh ben, il a une autre couleur. C'est super cool. Donc il me semble qu'après si tu le renommes Dinnerbone, ah non il retrouve sa forme normale, non.
j'ai rien dit. Bref, vous pouvez renommer tout le monde toast, bref, voilà. Et bien sûr, si tu fais spawner un bébé toast, un bébé, il aura normalement le truc de toast. Ah non, ah non, ah j'aurais cru. Enfin bref, tout ça pour dire que les lapins appelés toast ont cette couleur là. Bref. Et regardez là. Vous voyez ce qui vient de se passer là? Ça, c'est parce que si on le renomme Dinorbone, il a une texture totalement buggée. Voilà, si on renomme un lapin Dinorbone, il a une texture totalement buggée. Voilà. En fait, la texture, des fois, elle bug. Et c'est surtout en fait quand on met toast, genre toast, Dinorbone, et des fois ça bug. Et du coup, des fois ça donne un lapin noir, buggé, de je sais pas trop quoi. Bref, c'était marrant. Enfin bref, on a déjà fait le tour. Je voulais juste vous montrer ça. Donc si vous avez aimé la vidéo, vous likez, tout ça, l'abonnement, tout ça. Ah non, j'ai oublié un dernier truc. Apparemment, je dis bien apparemment, si on sneak, desneak 3 fois, donc attendez, je vais me mettre en... voilà, comme ça. 1, 2, 3, 4... Paf! Voilà, donc il y a un bouton s'abonner qui est apparu. Bon là, ça se voit pas trop, il faut que je le change, il faut que je le mette en bouton comme ça. Et du coup, paf! Et maintenant, ça vous abonne à ma chaîne. Bon, j'avoue, je suis un petit peu un forceur, mais quand même, on est 19 abonnés, j'aimerais bien être 20 maintenant. Donc du coup, si cette vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous en appuyant sur ce joli bouton. C'était Hero Minecraft, je vous kiffe, peace!